Et salut tout le monde, c'est Mega4. Aujourd'hui on se retrouve sur Newer Super Mario Bros DS version 1.0. Exactement, nous avons installé le patch 0.4, on ne sait même pas ce qui change, mais voilà. On est sûr qu'il change des choses. On espère que la choses. Map du monde 2 va moins ramer, voilà. Donc... Non, je pense que ça vient de l'émulation en vrai, donc de toute manière, ouais, en fait ça rame toujours exactement, ouais, regardez. Regardez, il y avait des gens qui nous avaient demandé de télécharger la version 1.02, donc Lucas, non seulement il a téléchargé la 1.02, mais en plus il a téléchargé la version 1.04, tout à fait. La version encore plus améliorée. Tout à fait, Sacha. Là du coup c'est Lucas qui joue, on s'est arrêté à la tour, j'avais fait un beau fail, et du coup là c'est Lucas oui. qui a la manette en main. Attends, comment ça fonctionne ce truc? Et il est déjà en galère, comme vous pouvez le J'aime pas du tout ces trucs là. Je sens que je vais galérer. Donc c'est un niveau athlétique. Pourquoi il a clignoté mon perso? Je sais pas. Vite, vite. Ah non, je crois qu'il y avait un scrolling, loul. Non, il y en avait un dans le dernier niveau. Enfin, d'accord, enfin, ok. Oh non, une vieille pièce de ce triste personnage. D'accord. Tout le monde a compris ce qu'il fait faire sauf Sacha. Ah oui. Ah non, bien vu, oui, non, sur le coup, non, j'ai pas pensé à ça. Oh putain, hey, c'est chaud, mon frère! Allez, allez, tant pis, je me laisse. Allez, sauf que. Ah bah oui, ah bah sauf ça, que. Ah bah bravo! Ah bah bravo, ça c'était. ça c'était cool. Sauf que oui, j'ai attendu le pire moment pour y aller, soit le moment où les Koopas se barraient, ce qui est ma foi très très con. À quoi ça nous sert de mentir en plus des trucs comme ça? Le pire c'est quand on disait ouais Sacha il est en Angleterre. Est-ce que tu veux que je fasse une NON. Premier, après tu vas sur le haut et hop tu fais escalier quoi. Allez, là c'était bon moment. Oh le nul. Oh qu'est-ce qu'il est mauvais. Mais parce que le turbo il est mauvais. Oh là c'était le bon moment. Oh. Non, non mais je l'ai mis. Pas grave. Voilà, Luigi en force. Luigi, prends ta fleur. Là, par exemple, c'était une pièce étoile difficile à prendre, mais difficulté intéressante. Oui, mais j'ai bien peur que la difficulté y soit après, c'est aussi très intéressante. La la la. La 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 la. Attends, pour agripper ce truc-là, faut faire comment? Non, non, juste tu sautes dessus. Il va s'agripper dessus. Ok. Et là tu te balances, descends pas trop. Et là tu bouges comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. T'es presque au checkpoint. Qu'est-ce que t'en sais? Fais gaffe, les boomerangs! Ah, boomerang revient toujours. Ouais. Proverbe philippin. Ouh, une on s'en contrefou. On a brisé. Ah, tu vas tomber dans cette toute zone! Non, c'est connard, il a flippé! J'ai peur. Oh, c'est un rocher. Le petit checkpoint qui peut. Je savais. Bon. On a vu sauf Lucas. Ça, à chaque fois qu'on joue à un jeu, on aime bien dire ça. Enfin, même hors vidéo quand on joue à d'autres jeux. Ouais. Sauf si je vois quelque chose, mais que Lucas il a pas vu. Je dis, déjà, en plus, le pire, c'est que dans 99% des cas, j'ai vu le truc. Mais là, franchement, fallait être con pour pas. T'as vu, par contre, j'ai des montées de skills, c'est oui, bizarre. Hein. Là, en parlant et tout, il a fait des problèmes. Oh, la pièce Yoshi. Ah, mais je récupère la pièce Yoshi, hein, sinon je recommence le niveau. Peut-être pas. Ouais, ça rame. Ouais, ça rame. Ça, ouais, sleeping. Il y a trop de pièces à afficher à l'écran. J'ai bien peur que ça soit déjà. Cette musique est... Ouais, toi tu meurs. Bon, tout le monde a compris sauf Sacha. Ah oui, elle était là. Non, 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 je pensais que c'était une partie principale et que le secret était dans tout le tuyau. Parce que le tuyau, il est bien caché quand même. Ouais, j'avoue. Moi, j'avoue que le tuyau... NON. Essaye de faire 2-2. Non, c'était 4-4, tu m'avais dit. 4-4 ou 2? Ouais, 4-4. Ah, ça va être long, attends. Mais ça va, ça va. Ça va, au pire, je fais 8-8. Non, bah 6-6, du coup. 6-6 6-6, ça marche. Non, non, bah alors c'est... Non, on a dit 4-4, on attend 4-4, merde. Parce que 4-4, c'est... Ah, mais 44. Mais je sais pas, j'espère que c'est pas une vieille maison champignon géant. Maintenant. Attends, c'est un trou, là.
Oh, stylé. C'est stylé, la stylé. Vache. Oui, oui, on peut le dire, oui, stylé. Ah, c'était... Ouais, pas mal. C'est moi qui fais la maison, Todd. Ah, putain, pour que je sois une avis. Attends, c'est déjà la fin, là. Une avis, une avis, une avis. Ah bah, pas de maison du tout. Ah, putain, c'est horrible. Vive. Yes! Il ne s'était pas trompé! D'abord, on va dans la maison du bas. Moi, je prends ce passage-là. Ouais, bah, fais d'abord cette maison. Ah, attends. Bah, non, on s'en fout, on a déjà une sphère de feu là pour le coup. Et en plus, dans le prochain niveau, t'as un cube au-dessus. Donc, on s'en fout. Bon, niveau égal. Allez, là, c'est parti. C'est moi qui fait parce que personnellement, d'avoir remarqué ce truc-là, j'ai plus de chance que Sacha. Essaye de voir où il va être. Ça, mais tu peux pas voir dans les trucs. Alors déjà, je vous dis un petit indice. Le Bowser, il est jamais sur les côtés extrémum. Après, il est jamais ici. Par contre, il est souvent là. Mais parfois, il lui arrive d'être là. Ah, il a failli faire un sans faute. Non, franchement, c'était bien joué. Non, vraiment, c'était... Le feu à 3, l'important c'est d'avoir le feu à 3, donc tu l'as eu, donc... Ouais. Bon, allez hop, maintenant on repasse dans la map qui rame complètement. Tout ça à cause du patch correctif qui ne marche même pas... C'est sûr qu'on a un bloc? Si, si, il y a un... Ah, il s'est barré. Ah bah oui, parce que t'es... Ah, tu pètes les couilles. Ah, tu... non, j'ai pas dit ça. C'est moi qui le fais aussi parce que moi je suis chanceux. Tu veux. Regarde, j'ai le timing à ce truc-là. Quand on prend Mario parce que j'ai pu. Petite anecdote, quel était notre ancien logo de chaîne? Luigi sur un Yoshi jaune. Parce que le Yoshi c'est mon perso préféré et le perso préféré de Yoshi. Tu veux quoi? Un marteau? Ouais, un marteau. Ah, un marteau, c'est parti. J'ai mis marteau. Je crois qu'à chaque fois qu'on a fait des maisons totes depuis le début de ce LP, on a tout le temps récupéré des champignons. Déjà, ça. Mon perso préféré c'est Luigi, mon perso préféré Lucas c'est Yoshi. On s'est dit, on va essayer de trouver une. Non, même pas, non, réellement c'est pas ça. On voulait mettre une photo de profil pour notre chaîne Dailymotion, donc on a tapé Mario sur Google. Et on a pris celle-ci parce qu'elle venait du boîtier de New Super Mario Bros. Wii. Ouais, donc par conséquent, on trouvait ça stylé. Je vais pas faire genre, ça se voyait qu'il y avait un truc en haut, parce qu'après ça se fait app. Mais n'importe quel joueur qui n'est pas un débutant... A chaque fois, sachez, il y a tous les niveaux aquatiques. Bon, ça va. C'est quoi cette musique? Tu vois ce que je vois? Lui, il fait pas de... Oh, j'espère... Tu sais, je pensais à un truc, là, parce que je regardais un peu nos vidéos qu'on avait fait à l'époque de New World Super Bros. Oui, n'hésitez pas, vous aussi, à aller les voir, surtout laisser des likes et regarder les pubs qui sont devant nos vidéos. Ça nous fait gagner du Paypal, de l'argent sur le compte Paypal. Non, c'est une blague, bien évidemment. Attends, d'ailleurs, ce thème-là, je crois qu'il était dans New World. Non, peut-être pas, en fait. Oh là là ! Non, par contre, plus sérieusement, dans New World, je me suis rappelé d'un monde dont je me souvenais pas, le monde de la Lune, tu te souviens ? Oui. Et ben, j'espère qu'il y est dans ce jeu. Parce que moi je trouvais que c'était un bon monde, tu te souviens, il y avait une gravité bizarre et tout ouais, là. Ouais. Donc c'était stylé, donc peut-être qu'il l'a. En tout cas, j'espère qu'il va pas. Ils s'en sont inspirés dans 3D World. En tout cas, j'espère. Dans Odyssey. J'espère qu'il va pas y. Mais. Sacha, pourquoi il spoil les gens? Quoi? C'est pas un spoil, c'est bon, arrêtez. En tout cas, j'espère qu'il y aura. Mais wesh! Ah, bon, enfin. C'est la première. Oh putain, excusez-moi. C'est la première, on est content. J'espère qu'il y aura pas un monde. J'espère qu'il y aura pas un monde aquatique. Ou tu crois que c'est obligé. Après tu me dis. Il y en avait un en New World? Je sais plus. Bah dans New World, je me souviens plus de tous les mondes. Le premier monde, c'était un espèce de monde sur une île, un peu île et tout, là, tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu commençais près de la maison de Yoshi. Après, t'avais un monde désertique. Je me souviens surtout du monde japonais, moi. Là, le monde, comme on est en train de faire, il y en avait un, et je crois même que c'était un monde secret. Je crois que c'était un monde, tu sais, il était dans une espèce de grotte, et tu passais, et ça ressemblait d'ailleurs un peu à Super Mario World. Mais surtout, ce qui était cool dans New World, c'est que la map, tu sais, c'était comme dans Bros. U, tu sais, il n'y avait pas de. Ouais, ouais, tout non. Était collé, mais... en fait. Non, mais vraiment, c'était un. Là, par contre, ça va chier. Ça va chier à mort parce que si je loupe la pièce, je pleure. Attention.
Mais... Elle est là-dedans, non, tu... Non, elle est là-dedans. Mais c'était sûr qu'elle allait être au centre. Pourquoi tu t'es barré sur le côté? Ouais, mais non, mais c'est chaud, t'as... C'est compliqué. T'as... Tu peux le recommencer ou pas? Quoi? Allez, flash du bas! Non, bah, je sais pas si je me tue ou pas. Non, bah, on va essayer. Je sais pas. Comme ça, en plus, si c'est encore un truc galère pour la troisième, on verra où elle est. Par contre, si tu cites, peut-être garde ton marteau plutôt. Non? Quoi qu'on dira, c'est là! Oh. Marteau, fleur de feu, donc du coup, on retournera la chercher. Ouais, je vais retourner. Ça, c'est pas... Je pense pas que c'est hyper possible. J'aime bien quand tu fonces dans les chip-chip. J'aime bien quand tu fonces dans les chip-chip. Y'a une sortie secrète dans ce niveau ou pas? Il reste 38 secondes, c'est tout ce que je vois. Mais... Il y a une sortie secrète, ouais. Non, c'est la fin là. Ça va être une maison pour Europe ou une maison... Pas une maison à vie en tout cas. Dommage. Ok. Pourquoi ça peut pas être une maison à vie? Ah, c'est de la merde les maisons pour Europe. Bon. Ah bah c'est toi qui va faire la... Ah oui, bah c'est un... Bien joué. Bien joué, gentil camarade. Bien joué, enculé. Dis donc. Donc n'oublie pas, il faut que t'aies un champignon mini. En fait, je viens de réaliser un truc, on est trop bête, parce que la personne qui nous a dit qu'il avait fini le jeu 40 minutes après sa sortie, ou je sais plus quoi, là... En fait, c'est possible, il suffit juste qu'il prenne toutes les sorties secrètes, enfin les... Ouais, les mais c'est pas ouf. Oui, bah après, là, c'est à côté d'un très bon jeu, d'un très bon... J'aime pas trop ce comportement. T'as très bon opus, ça dirait... Oh, c'était stylé, on voyait le château de Bowser dans la fenêtre. Le château, le bateau, oui. Bah, j'ai cru la personne, mais... C'est chaud à Dorothée, par contre. C'est pas... Bah, c'est vrai, c'est stylé. Ah, tu rentres pas dans D'ailleurs, il y avait pas de bateau dans Bros DS. J'en aime pas. Et bah, c'est custom. Tout ce que t'es en train de voir, là, c'est custom. Hey. Ah ouais. Ouais. Mais il y avait un hack comme ça de Bros DS qui est beaucoup plus vieux que celui-là, c'était super, New Super Bros 3, je crois il l'avait appelé, ou un truc comme ça, où ça reprenait les levels de Bros 3. Ouais. Et que... Ouais, voilà. Voilà, merci Sacha. On avait tous compris sur toi. Bon, là, peut-être faire le feu. Non, mais pourquoi il y a que des champignons en ce moment? C'est la hesse. C'est quoi ce délire? Je me demande s'ils ont gardé le même système pour débloquer le monde monde de... Enfin... Ah oui. Je parle de comme dans Bros 2, là, le monde spécial 1. Est-ce que c'est une sortie secrète? Le monde champignon, ou... est-ce que c'est une sortie secrète? Genre qui se trouverait ici avec un bloc caché? Non. Non. Non, c'est dans un endroit... Ils mettent des trucs logiques, ils mettent pas des trucs faux comme ça, des blocs cachés... Bah, après, si c'est avec un mini... Mais non, je suis con! Bon, à voir, Oh yes. What? Il a bugué le machin. Il a balancé 2 billboles d'un coup. Bon, dégage toi. Peut-être que ça allait m'être utile. Non. Bah, parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc, faut surveiller. Ah bah, elle est là. Pas très dur à prendre. Dit-il en se faisant toucher. Une idée, merde. Allez, un petit champi. Un petit champi, ouais. Bah, on va tout de suite savoir, hein, écoute. Bah, on verra dans la cinématique, en fait. S'il y a un petit... Ouais, c'est bizarre, parce que je pense qu'eux, ils auraient quand même donné un... Enfin, on va voir. Je me souviens du boss, en tout cas, dans... C'est custom. Si, il était le jeu en Goomba, non? Oui. Oui. C'est quoi le play switch? Je sais pas. Ah, ah ça... oui, okay. Ah merde, j'aurais pas dû, je me suis foutu dans la merde. Non, il n'existait pas ce truc-là. Alors, plusieurs choses intéressantes à dire. Premièrement, il peut pas passer quand le... Mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, je comprends rien sur Pater. Déjà, je suis assez surpris parce que le géant Goomba qu'on est en train d'affronter, dans Bros DS, il existe. C'est un boss d'un château, mais je ne sais plus de quel monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que le boss
du château. Je monte 2, c'est pas lui. C'est un espèce de monstre qui rentre dans la terre et qui sort. Ah oui. Donc je sais pas. S'il y a la clé dans Brosmi. Il faudrait l'affronter donc en étant mini. Bah non. Non, non. Où est-ce qu'il va nous emmener du coup? Bah au monde 3. Ou alors tout simplement quand tu viens le monde 3, ça te met au monde 4. Oui, mais voilà, mais alors du coup le monde 4, tu vas comment? Bah peut-être à la fin de ce monde, ça t'emmène au monde 4. Oh ya. Ah, elle a... Alors là, par contre, ils se sont pas fait chier, hein. Pourquoi? Bah ils ont pas du tout changé la map. Moi pour moi, il y avait pas... Attends, fais avec la gâchette. Non. Ouais, si, là, si. Non, ok, non, j'ai rien. Il y avait pas... Eh, lui, là. Non, ouais, non, ils ont changé. Il y avait pas Pushy. Grosse déception. Et si à la fin de ce monde là on va sûrement aller. Mais non, à la fin du monde 3 on va aller au monde 5. Mais du coup le monde 4 normalement on est censé y aller en faisant un truc dans le monde 2. Ils auraient. Enfin ouais ils ont changé, mais je pense qu'ils auraient pu changer un peu plus quand même. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ah ouais mais du coup on n'a pas moyen de savoir si en fait ce monde rame. Vraiment il faut y aller avec un canon du coup. Mais y'a pas quelqu'un qui t'a dit que le canon du monde 1 menait au monde 4? Y'a qu'un seul moyen de le savoir. Attends, tu veux qu'on le teste? Bah au pire, non mais rentre pas dedans, ça va être écrit de toute façon sur le canon. Ah ouais, pas con. Ah oui, mais on peut pas sortir après. Si. Ah bon. T'attends que le time... Enfin, je sais pas. Bah vas-y, fais dans le monde 1. Hop. Ah merde, tu es con, j'ai... Ah, attendez. On est dans le doute, là. Aujourd'hui, on est dans le doute. Ah, ça fait du bien d'avoir une map qui rame pas. Elle ramène d'ailleurs dans le monde 3 ou pas? Non, elle ramène pas. Enfin, pas trop. Non, même elle ramène pas. Ok. Y'a ça, allez, tant pis. Tant pis, on va se spoil. On n'aura pas la découverte du prochain monde. Fermez les yeux, on vous dira pas ce que c'est. Ah bah voilà, c'est mon 4. Et quel horizon. Par contre lui il est sacrément custom. Ouais, il a l'air stylé celui-là. Yes, saving. Voilà, on a débloqué du coup les mondes. Et en plus ça rame pas. Ah ouais, il va être choc, lui il va être stylé. Parce que du coup le monde 3 il a l'air un petit peu plus classique. Mais bon, ok, alors attendez. Ah, du coup on retourne... Au monde 2. Non mais parce que, enfin, dans Bros DS, le canon du monde 1 il t'emmenait pas dans le monde 4. Hein. Le monde 4, le seul moyen de le débloquer c'était de faire le boss du château en étant. Ouais, non, je sais. Au début je pensais que c'était les canons, oui, mais non, après c'est vrai, tu me l'as rappelé. Bon, du coup, on a juste à retourner dans celui-ci et on aura fini le monde 2 à 100%. Et du coup, on a débloqué, bon, dans la prochaine vidéo, évidemment, on fera. Dans les deux prochaines vidéos, on fera le monde 3. Dans les deux prochaines encore vidéos, on fera le monde 4. On va faire ça dans l'ordre. Puis après, bah, on verra ce qu'il y a au monde 5. Les Bros 2, nu, enfin, nu, de toute façon, moi, les personnes qui critiquent Bros 2, je les défonce, donc... non, mais arrêtez avec Bros 2, c'est bon. Pourquoi personne ne l'aime, en fait? Pourquoi c'est le mal-aimé de la famille des Bros? Pourquoi personne n'aime ce jeu? Non, mais par contre, c'est vrai que je trouve, limite, que Bros DS, si tu, en toute franchise, c'est le moins complet des 4 ouais. Super Bros. Parce que bon... Ouais, mais carrément. Même... Non, mais c'est vrai. Parce que dans Bros... Ouais... Tu ne pourras pas récupérer le grand drapeau. Je sais pas si c'est un remix de quoi là, les trucs de fin de niveau. C'est bizarre. Du coup, ouais, complète. Ah voilà, ok. Donc écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Alors attends, on va juste au monde 3 comme ça. Non, ou on s'arrête là-dessus. Non, attends, merde. Ah. D'ailleurs, il y aura une maison hantée au monde 3. Je peux pas dire, mais... Donc sur ce, on vous dit à la prochaine tout le monde, c'était Mecha44, nous on vous donnerait vous pour le prochain épisode. Allez, à très bientôt. Au revoir.